Eh bien le bonsoir les potes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui on est le lundi, lors de la boutique, enfin quand je dis lundi, vu l'heure que l'on est lundi, techniquement c'est la boutique de dimanche, mais c'est pareil les potes, vous êtes habitués. Du coup les potes, c'est la petite boutique habituelle. Est-ce qu'il y aura un nouveau skin ce soir? Normalement, je pense pas, puisque les skins, il y en a quand même eu pas mal de nouveaux qui sont sortis. Il reste plus beaucoup d'ailleurs qui restent, je crois, à sortir. Du coup la mise à jour normalement se fera soit mardi ou mercredi. Ils n'ont pas encore dit la date Epic Games, mais elle arrivera prochainement. Normalement, les épées laser de Star Wars vont plus être dans le Battle Royale. Je pense qu'il y a beaucoup qui vont être contents, d'autres un peu moins. Tout dépend, voilà, si vous avez l'utilité ou non de cette arme. Moi, personnellement, j'ai trouvé qu'elle était stylée et ça changeait des armes habituelles qu'on a dans le Battle Royale. Du coup, c'est parti pour la petite boutique. Les potes, n'oubliez pas le petit code créateur, bien entendu, la boutique, ça sera bien. Alors, nous, on a quoi? Oh, ok. Ok, on a pas mal de petits skins, Du coup, ok, donc on va commencer par les skins du coup, sorcier, hein, tout simplement, magique, etc. Vous avez également le planeur L magique, 1200 V-Bucks, ce petit planeur magnifique d'ailleurs. Vous avez également le skin maintenant qui a 3 custom, donc la version du mancien, version feu, lave et tout, que je possède, et version glace, du coup, que je possède aussi. On sait bien qu'il met des petits customs au skin, donc c'est plutôt stylé. 1200 V-Bucks, ce skin est sorti l'année dernière, c'est la saison 6, mais voilà, vous avez compris. Donc c'est un skin que j'aime beaucoup d'ailleurs, personnellement. Et je joue d'ailleurs beaucoup encore avec. Hein. Donc voilà, vous avez le petit skin mancien, avec 3 customs, qui est exactement pareil pour le sac à dos. Vous avez version normale, vous avez version feu, forcément. Vous avez version aussi glacée. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir ces 3 petits ensembles de customs. Vous avez également la même version pour le skin Elmira, en féminin, pour ceux qui ont la fille. Vous avez la version du coup normale, la version feu, lave, et la version glacée. Bien entendu, je sais pas si beaucoup qui l'avaient vu, mais voilà. Bref, vous avez également aussi pour le sac à dos la même façon, la même custom, on va dire. Voilà, les petits customs qui fait toujours plaisir. Ok, on est bon là-dessus. La petite pioche, également la baguette enchantée, qui je crois aussi a 3 customs, si je me trompe pas. Et il y en a que 2. Bon, la troisième elle est pas marquée. Normalement, il y a 3 customs. Celle-là, il y a la version normale, la version feu, et normalement, il y a la version glace, mais ils l'ont pas mis donc bon. Mais normalement, il y a la version glace, logiquement. Ok, on est bon sur ce petit ensemble, le petit skin que je voulais acheter l'autre fois, mais je l'ai pas acheté, et du coup je pense que je vais le prendre. Du coup, le Poisca de guerre, je trouve qu'il est plutôt stylé, avec 3 customs. Donc la custom numéro 1, du coup la basique, la version 2 avec sans les petites, sans peinture quoi en gros, et l'autre avec l'aspect de petit casque du coup, un peu espion militaire. Donc voilà, petit skin plutôt rigolo avec la petite tête qu'il a franchement, et en moins il y a des chaussures, bordel, des chaussures. Le petit skin coûte 1200 V-Bucks. Vous avez également le petit revêtement qui est plutôt sympathique. Couleur militaire, camouflage à bulle. Voilà. Moi j'aime bien tout ce qui est militaire, donc vous connaissez les bails et les potes. En vrai, j'aime beaucoup quand il y a du truc militaire dedans. Du coup, ce petit skin, la première fois, je me rappelle qu'il me tentait de l'acheter. J'avais regretté de l'avoir pas pris. Parce que j'ai vu quelques de mes amis à moi jouer pas mal de fois avec ce skin. Et j'avoue qu'il me tentait pas mal. Donc cette fois-ci, les potes. Malgré que voilà, les V-Bucks, je ne peux pas en mettre tout de suite. Donc je vais quand même l'acheter parce que je me dis que je vais regretter si je l'achète pas. Même si le sac à dos n'est pas trop mon truc, je ne vais sûrement pas jouer beaucoup avec parce qu'il est un peu trop apaisant, je trouve. Mais le skin lui-même, il est plutôt rigolo. Donc voilà, et puis un style militaire, voilà, ça me plaît pas mal. Déjà, j'ai la version glacée du skin Poiscaille. Avant, j'aimais pas trop ce skin de base. Le premier skin Poiscaille, je trouvais qu'il avait une tête chelou, etc. Mais plus que je vois les gens y jouer, etc. Et plus que ce skin, je commence à l'aimer. Et je crois que même que beaucoup de gens aiment ce skin avant qu'elle l'avant. Personne disait ouais qu'il était beau quoi. C'est voilà. Donc le skin, et ben je l'achète cette fois-ci les potes. Pour la deuxième apparition en boutique. Ensuite vous avez également le petit retour du skin Hardy. Avec 2 customs. La version du coup bleutée. Donc on va regarder ça un par un. La version un peu bleue, voilà, par défaut. Plutôt sympathique. Et vous avez la version du coup en version rouge et noire. En version sombre du coup. C'est plutôt sympa le petit ensemble. Vous avez également pareil pour le sac à dos. Version bleue, voilà. Et la version rouge du coup est noire. C'est plutôt pas mal. Genre là on dirait le côté gentil et côté méchant. On dirait un peu ça. Du coup c'est bon. Ensuite vous avez également la petite pioche. La hache coigneuse. Donc qui est pas trop mal d'ailleurs. J'aime bien la petite pioche. Vous avez également le petit revêtement délavé. Comme vous savez, comme les jeans délavés là. Pour 300 V-Bucks, plutôt pas mal comme petit revêtement, plutôt simple. Ensuite, également le petit retour du petit skin Griffou.
Pour ceux qui ont peur des clowns, ne regardez pas pour quelques secondes la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas peur, bah, vous pouvez regarder. 1500 V-Bucks, le petit skin, il date quand même de la saison 5. C'est un skin quand même, voilà. Epic Games avait fait il y a longtemps, mais en vrai, ce skin a deux customs. D'ailleurs, c'est une celle-ci. La 2, c'est celle qui est sur la photo, là, qui est juste ici. Vous avez également la petite busque mitrailleuse. Voilà, un skin qu'on connaît bien. Un skin plutôt basique, rien de spécial. Ce skin, 800 V-Bucks. Vous avez la danse Joie de Vivre. 500 V-Bucks. Sorti la même période que ce skin que j'ai là d'ailleurs, saison 5. Vous avez également la petite cape alliée, du coup, sortie avec l'ensemble japonais un peu. Voilà, c'est très sympathique ce genre de petit truc là. J'aime bien ce genre de petit truc là. Voilà, c'est magnifique ce planeur. Il est un peu grand, certes. Il est beau pour vous. Ça pas qu'en vrai, je trouve que c'est un planeur magnifique. La danse que j'ai fait tout à l'heure sans vouloir dans le lobby. Ce qui est drôle, c'est que j'ai fait la danse là parce qu'il allait bien avec le skin. Mais je savais même pas qu'il était revenu en boutique. La danse coûte 500 V-Bucks, qui est sortie à la saison 9, à la période où il avait bah, le partenariat avec le basketteur du coup Jordan. Donc voilà, c'était la danse qui est sortie à la même période. Donc c'est plutôt stylé. Vous voyez le support short du code créateur. Ensuite, la petite danse que j'arrête pas de faire d'ailleurs, qui est sortie assez récemment, il y a quelques semaines, puis sortie à la saison actuelle. Donc la petite danse que je crois beaucoup de monde l'a acheté ou la veulent du moins, elle coûte 200 V-Bucks en plus les potes, franchement. Voilà, c'est toujours pas mal cette petite danse là. C'est sympathique, franchement, j'aime bien mon jeu. Danse comme ça, j'aime bien beaucoup. J'utilise vraiment extrêmement beaucoup. Puis c'est une danse que genre tu peux te faire tout le temps quoi. Je dis, c'est ça qui est bien. Du coup les potes, bah oubliez pas le petit code créateur de la boutique. C'est très important, j'ai les gameuses en majuscule ou en minuscule. Sur ce, moi les potes, je vous dis à demain pour de prochaines vidéos. Et dans la semaine, comme je vous ai dit, il y aura d'autres jeux qui arriveront normalement. J'espère pouvoir avoir le temps de poster tout. On parlera aussi de quelques trucs qui pourraient arriver prochainement pour la saison 2 qui s'arrivera dans un mois environ, à quelques jours près. Ça fera dans un mois pile poil quasiment. Il y aura la nouvelle saison de Fortnite, les nouveaux trucs, les nouveaux passes de combat. On va discuter un petit peu de ça pendant la vidéo de boutique de demain. Donc, ne loupez pas la boutique de demain car j'en parlerai un tout petit peu. Tous les jours, j'en parle dans mes vidéos boutique pour ceux qui me suivent assez longtemps. Toutes mes vidéos boutiques, moi je fais pas de vidéos d'information parce que j'en faisais plein avant, ça prenait beaucoup trop de temps et c'est pas les plus vues pourtant. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, vu que je vois pas trop l'intérêt à mettre des heures, des jours à faire une vidéo qui n'a pas beaucoup de vues, donc je préférais faire des vidéos comme la boutique par exemple et expliquer des trucs qui se passent, qui vont arriver prochainement dans Fortnite, les mises à jour, etc. Donc à chaque fois que je fais une boutique, je lâche quelques petites infos. Il faut regarder toutes les boutiques tous les jours pour avoir des petites infos par-ci par-là. Des trucs qui arriveront prochainement, etc. Le nouveau pass combat annuel qui sera à 7720 bucks. Enfin, des trucs comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, bref, on reparlera ça prochainement. Les pas, ne vous inquiétez pas. Et la mise à jour, comme je vous ai dit, ça arrivera. Il n'aura plus les lasers, etc. Il y a plein de trucs qui vont arriver. De toute façon, je vous le dirai le moment venu. Sur ce, ciao les potes, à demain. Bonne reprise à ceux qui reprennent les cours. Bon courage surtout. Et bien, rushez bien pour ceux qui ne sont pas en cours. Profitez-en. Allez, ciao.